Avant que nous puissions lire la Bible, j'aimerais que nous chantions un peu. La lingue était toyemba moke. Numéro 225. Ezali loyembo motango 225. Dans les cantiques, crois seulement. Prends ma main, cher Seigneur. La croix seulement. Prends ma main, cher Seigneur. Zolo boko nangai yamotuya nkolo nangai. Quand ma voix devient morne, sois tout près, cher Seigneur. Quand ma vie sera quasi partie, écoute-moi quand j'appelle. Tiens ma main que j'aime toi. Prends ma main, mène-moi à la maison. 367. Cher Seigneur, conduis-moi, soutiens-moi. Fatigué, épuisé, je suis faible. Sous l'orage, dans la nuit, mène-moi vers la lumière. Prends ma main, mène-moi à la maison. Tout change. Seigneur Dieu de gloire, avant que nous puissions lire ta parole, laisse que les feux descendent du ciel pour pouvoir consumer toutes les attaques du diable. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, quand même ta parole sera lue, Seigneur Jésus, que les malades soient guéris, que les lépreux, Seigneur Jésus, et les affligés soient consolés, car je les demande avec foi. Au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, je tiens à remercier notre pasteur pour cette occasion qu'il nous donne encore de parler ce matin. Car se tenir devant les gens dans un auditoire comme celui-ci n'est pas chose facile. Que Dieu bénisse beaucoup notre très cher papa. Et sans oublier les serviteurs de Dieu à ma droite, que le Seigneur vous bénisse très richement. Aussi que Dieu se souvienne de tous les membres fidèles de Grâce Étonnante Tabernacle. Que Dieu vous bénisse tous richement. Pendant que je vous prierai de vous lever, nous allons lire le livre de Luc, chapitre 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint
était sur lui. Azalaki koze la libondi si ya Israël mpe molimo sante zaki likolo na ye. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Ye asi ya kebisamaki na zela na molimo santo na. Qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Ete ye akokufa te zanga ete amona motinda mina nkolo. Il vint au temple poussé par l'esprit. Ayaka na tempe loko sukubama na molimo. Et comme les parents apportaient les petits enfants Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Mpe na tango wana baboti bazalaki komema mwana oyo moke Yesu mpo ete baya kobulisa ye ngebene na mibeko. Il les reçut dans ses bras. Ayambaki ye na maboko maye. Béni Dieu et dit. Apambola kinzambe mpe alobi. Maintenant Seigneur. Sika wankolo. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Sika mosali na yo akende sika wana kimia. Selon ta parole. Yenge bene na liloba na yo. Nous allons prendre psaume 118. Tozo mokanda manzembo mokapo ya mokama. Le verset 16 à 17. Molongo wa zomi na motoba kino zomi na sambo. Lisons tous ensemble. Totanga bisonyo se longo. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Les versets 17 numériques qu'on lise ensemble. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que je ne mourrai pas, je vivrai? Vous pouvez vous asseoir. C'est par là que j'ai tiré mon petit sujet. Que je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce matin, je parle de Siméon. Frère Branham dit, Siméon était dans l'esprit de Dieu. Siméon avait reçu la promesse de Dieu. Siméon croyait que ce que Dieu lui avait dit arrivera. Même pendant qu'il était plus âgé, Siméon tenait toujours à la promesse de Dieu. Et la Bible dit que les gens se moquaient de lui. Les gens se moquaient de Siméon. Pour lui dire, Siméon, vis ton âge. Qu'est-ce que tu es en train de nous parler? Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Mais Siméon, comme il avait reçu la promesse de Dieu, il croyait même s'il atteignait 100 ans qu'il n'allait pas mourir sans rencontrer Jésus. Ce matin, c'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu. J'aimerais prêcher ensemble avec l'auditoire. J'aimerais prêcher ensemble avec l'auditoire. Écoutez ce que les prophètes disent ici. Dans la prédication, se revêtir de toutes les armes de Dieu. Prêcher le 7 juin 1962. Paragraphe 27, partie B. Oui Seigneur. Et je pense que quand nous croyons Dieu, chaque fois que Dieu dit quelque chose, êtes-vous prêt de dire amen? Êtes-vous prêt de dire amen? Chaque fois que Dieu dit quelque chose, nous ponctuons cela d'un amen. J'aimerais entendre l'amen de quelqu'un ce matin. Nous ponctuons cela d'un amen. Écoutez ce que le prophète dit. C'est vrai. Tout ce que Dieu dit. Il dit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère Branham dit. Un chrétien dira. Amen. Amen. S'il dit. Qu'il reviendra. Un chrétien dira.
Amen. Amen. S'il dit qu'il vous guérira, c'est un chrétien qui ira. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais prêcher avec vos amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Je me sens religieux ce matin. Le prophète dit, Siméon n'était pas aux choses que les gens lui racontaient. Siméon ne donnait pas les oreilles à ces choses-là. Siméon tenait toujours à la promesse de Dieu. Écoutez mes frères et sœurs. Le prophète dit, quand Dieu vous dit quelque chose, c'est à vous qu'il a parlé. S'il t'a parlé ce matin, c'est à toi qu'il a parlé. S'il t'a promis quelque chose, c'est à toi qu'il a promis. Et il est censé accomplir. J'ai passé à entendre un grand amen. J'ai passé à entendre un alléluia. Oui, notre Dieu est grand. Mais écoutez ce que le prophète dit. Si Dieu dit, les justes vivront par la foi. Un chrétien dira amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? J'aimerais ressusciter la foi de quelqu'un ce matin. Pendant que Simeon était là dans les temples, avec la promesse de Dieu, il y avait aussi une prophétesse là quelque part. Mais étant avec, elle, il ne voyait pas Jonathan qui était méprisé par les gens, qui était injurié par les gens. Mais pendant que Simeon lui attendait la accomplissement de la promesse de Dieu, il y avait aussi quelqu'un là qui attendait aussi la consolation de Dieu. Écoutez mes frères et sœurs, les prophètes disent, pendant que Siméon était là, il était déjà tout épuisé. Siméon n'avait plus même pas la force de se tenir debout comme je suis là. Mais les prophètes disent, quand il a appris que Jésus venait, l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui. Siméon n'avait plus la force même de marcher. Est-ce que nous sommes ensemble? Siméon n'avait pas la force de marcher. Siméon n'avait pas la force de parler. Comme il était déjà un vieil homme. Mais l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui. Le prophète dit, il a commencé à être conduit par l'esprit. Siméon ne savait pas où Jésus était. Il ne savait pas la direction où venait l'enfant. Mais l'Esprit du Seigneur a commencé à conduire Siméon. Le prophète dit, l'Esprit a dit à Siméon, Siméon, lève-toi, prends la gauche, prends la droite, kende boy, va au milieu, otawa, fais ceci, fais cela. Siméon est standard hier. Siméon a zaï commise la neloko. Lui ne savait pas quoi faire. Aye bagite ni nyako sala. Il obéissait seulement à Dieu. Koto sanzambe. Monte comme ça. Matamoke. Descends de l'escalier. Va à gauche. Kende boy. Va à droite. Ah, kota nangambo yo. Pranameti. Dans la marobi. Quand Siméon est arrivé près de Marie, dans Siméon a komagi pene na Maria. Siméon ne connaissait pas Marie. Siméon a yeba Marie, Siméon ne connaissait pas la Vierge Marie. Siméon a yengondo Marie à terre. Mais le prophète dit, quand il est arrivé au film, il y avait trop de mamans là. Il y avait toute une file là-bas. Alors quand Siméon est arrivé où s'était Marie, l'Esprit lui a dit, arrête-toi maintenant. Arrête-toi. Siméon s'est arrêté. Siméon a télémi. Et a dit, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Et l'Esprit du Seigneur lui a dit, c'est ça, le salut dont je t'ai parlé. Prends maintenant l'enfant du bas de cette vierge là. Et Siméon a pris le bébé, a
ce moment-là. Oh Seigneur, laisse maintenant que ton serviteur aille en paix parce qu'il a vu les saluts. Est-ce que je peux entendre un gars ta main? Et au même moment, à l'air là, c'était une prophétesse la dernière qui nous voyait pas, qui n'avait pas vu ce qui s'est passé. Mais comme elle était toujours au temple, priant gênant, l'Esprit du Seigneur l'a saisi. A commencé à conduire l'aveugle. Elle qui ne voyait pas, le même esprit qui était avec Siméon est venu où c'était le âne. Comment aussi à avancer. Anne a commencé à avancer. Anne a commencé à avancer. Et les prophètes disent, elle commença à prophétiser du salut de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Même si on t'avait lié des bandes au visage, même si on t'avait lié des bandes au visage, même si on t'avait lié comment, que l'Esprit du Seigneur descende pour te conduire dans l'Esprit. Même si on t'a lié, que l'Esprit du Seigneur qui avait conduit Siméon, il doit descendre ce matin pour te délier. Il doit descendre ce matin pour te guérir. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh mes frères et sœurs, écoutez la prière du prophète dans la prédication de Siméon. Les paragraphes 60 des prophètes disent, maintenant, nous attendons que tu accomplisses des choses infiniment grandes ce matin. Est-ce que vous les croyez? Envoie ta grande puissance, Seigneur. Montre-nous ta résurrection. Et bénis les gens qui sont ici. Non, je ne prêche pas un Dieu qui vous bénira demain. Les gens qui sont ici, si vous êtes là, si vous êtes là, recevez les bénédictions de Dieu. Si vous êtes là, recevez votre guérison. J'enfonce pour dire, même si tu n'avais jamais été rempli du Saint-Esprit, mais comme tu y es là, reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Maintenant écoutez, dire gloire du service, Seigneur. Oui. Bendan kembo na mosala oyokolo. Cache ton serviteur. Bomba mosali na yo. Et circoncis les lèvres de l'orateur. Mpeka tangenge mibebu ya mosali to mosali. Et les oreilles des auditeurs. Pe matoyi ya bato bazako yoka. Et que chaque cœur soit rempli. Petika ete motema nyo se tondisama. Chaque cœur soit rempli. Motema nyo se tondisama. Et quand nous partirons d'ici, puissions-nous dire, comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous à cause des choses particulières que notre Seigneur a faites? Les prophètes disent, nous les demandons au nom de Jésus-Christ. Tout ce que je demande ce matin, je les demande au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te descendre du ciel et accomplisse chaque promesse. Écoutez, il y avait une fois, il y avait un couple, leur enfant souffrait, l'enfant était presque mort. On peut nous balancer la prédication croire en Dieu.
prêché le 24 février 52. Le paragraphe 74. Pendant que les frères là se posaient des questions. Et sa femme lui disait toujours. Mais la foi est là en train de mourir. Et ils étaient là à l'hôpital. Et les médecins se posaient aussi des questions. Et l'enfant souffrait de la diphtérie. S'il y a des médecins qui connaissent ce qu'on appelle diphtérie. Alors il n'y avait plus d'espoir pour l'enfant. Et ils ont appelé les prophètes. Les prophètes étaient arrivés. Alors on n'a pas permis que les prophètes entrent à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'un homme, à part l'homme et la femme, qu'une autre personne puisse accéder à l'intérieur. Les prophètes disent, j'ai beaucoup souffert pour y entrer. Et il finira par y entrer. Et lorsque le prophète est entré, il a vu le couple dans le désespoir. Le couple qui n'avait aucune promesse. Et quand le prophète est arrivé, il a imposé les mains au bébé. Le prophète dit, je n'ai pas fait une longue prière. J'ai fait une petite et simple prière. Les prophètes disent, finalement je suis entré et je me suis agenouillé à côté du bébé et j'ai fait une simple petite prière. J'ai imposé les mains au bébé, j'ai dit, Seigneur Dieu des dieux et la terre, toi qui as créé toutes choses, tu nous as donné la puissance divine pour briser la puissance de Satan sur cette vie. Au nom de Jésus-Christ, Satan, sors de cet enfant. Les prophètes disent, quand il a ouvert les yeux, il a vu les parents de l'enfant en train de se réjouir, en train de glorifier Dieu, en train de donner des cris de joie. Comme quoi les enfants avaient survécu. Mes frères et sœurs, quand les médecins étaient arrivés, il s'est posé des questions. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se maintenant? Le papa de l'enfant lui répond, mon enfant est rétabli. Et le médecin lui dit, non, le diagramme a dit qu'il ne va plus survivre. J'aime la réponse du papa. Il a dit, vous ne voyez que le diagramme. Vous ne voyez qu'au travers le diagramme. Mais Dieu vient de guérir mon enfant. Ce matin, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Même si tu es dans les lits d'hôpital, tu ne mourras pas, tu vivras. Que les dieux des pasteurs Josué fassent quelque chose ce matin pour quelqu'un. Que les dieux de William Branham fassent quelque chose pour quelqu'un. Et j'enfonce pour dire, écoutez mes frères et sœurs, dans ces derniers temps, si Dieu pouvait exaucer la prière d'un animal, un animal qui n'a pas de promesses, un animal qui n'a pas d'âme, mais Dieu a exaucé la prière d'un animal.
Qu'en est-il d'un humain comme toi? Bongo yo. Qu'en est-il d'un chrétien comme toi ce matin? Ce matin, il faut que ça sorte de ton cœur pour dire que je ne mourrai pas. Écoutez, là au temple, pendant que Simeon était là, il y avait là trois personnes qui pouvaient donner leur témoignage. Il y avait Simeon, il y avait Marie, et il y avait Anne. Maintenant écoutez, Marie elle-même qui portait l'enfant. Marie le prophète dit, quand elle est entrée au temple, c'était tout le monde qui était scandale. Qui se regardait l'un à l'autre. Vous voyez, elle n'est même pas mariée. Mais elle a un bébé dans son corps. On ne connaît même pas son mari. Juste dans les fiançailles, elle a déjà un enfant. Mais voilà, me dit, Marie, il est quoi? Vous savez que les gens parlaient mal de lui. Marie a yebagite bato bazako lo mama bena tina na ye. Mais elle tenait aussi à la promesse de Dieu. Sazala ki bobele kosima ya kana zambe. La promesse de Dieu qui disait. La kana zambe zako lo mama ye boy. La foi que tu as. Et témoin aux ana ye. C'est le salut des hommes. Ezali lobi kona bato. La foi que tu as. Non memi wana. C'est Emmanuel. Azali Emmanuel. Mes frères et sœurs. Que comment sine comment va. Que les gens se moquent de toi. Bato bas seka yo. Que les gens vous injurient. Je bato bas finga yo. Référent. Que les gens refusent votre Dieu. Branham a dit qu'ils disent du n'importe quoi. Mais tenez toujours à votre Dieu. Tenez toujours à votre Dieu. Laissez-moi d'abord les lire. Laissez-moi d'aller les lire, ça me fait du bien. Dans la prédication Siméon, les paragraphes 43, les prophètes disent, j'avais voulu lire ensemble avec l'auditoire. Cela me rappelle les gens d'aujourd'hui qui essaient de se tenir loin du Saint-Esprit, loin de l'église du Dieu vivant, et disent, regardez ces gens, ce sont des saints comédiens. Bazali pena bato ba ko sekisaka bato mosusu. Est-ce que nous sommes ensemble? Toza elongo. Bwana me dit. Bwana malobi. Tenez-vous loin d'eux. Yozala mosika na bato wana. C'est un ordre. Ezali malamu. C'est un ordre. Ezali malamu. Mes frères et sœurs. Si quelqu'un réunit la puissance de Dieu. Soki moto zali ko wanga na nguya na Nzambe. Il faut seulement se tenir loin d'eux. Ezali malamu ozala mosika na ye. Marie savait de qui était cet enfant. Marie a yeba ki malamu ete mwana ya memi azali ya nani to auti wapi. Marie savait de qui était cet enfant. Marie a yeba ki malamu epai wapi mwana yango autaki. Maintenant écoutez. Landa. Et tout homme qui est né de nouveau, c'est aussi d'où il vient. Pe motonyo so abota misika. Ayebi epai wapi auti. Notre pasteur, c'est d'où il vient. Il croit en son Dieu. Même si tu parles mal de moi ce matin. Même si tu parles mal de frère ce matin. Même si tu parles mal d'une sœur ce matin. Si réellement il est né de l'Esprit de Dieu, Dieu sera toujours avec lui. Dieu sera toujours avec lui. Ce n'est pas fini. Les prophètes disent, peu importe combien le monde déclare que c'est du fanatisme. Branham a dit, tout croyant c'est dans son cœur, Mondi mignon soyez bien à quatre dans mon thème naie. Où il se tient? Et pas y voit puis à télémi. Ce matin. N'attendons à l'élo. Tout croyant. Mondi mignon so. C'est dans son cœur. Ayez bien à ça mon thème naie. Où il se tient? Et pas y voit puis à télémi. Que les gens vous sollicitent ou pas. Bato balinga balanda yotote. Tenez toujours à la promesse de Dieu. Yotangama bobele na bilaka na Nzambe. Que les gens vous considèrent ou pas. Bato bazoyo na motu yotote. Tenez toujours à la promesse de Dieu. Yotangama bobele na bilaka na Nzambe. Oh mes frères et sœurs.
Vous pouvez les traiter de tous les noms que vous voulez. Quand les dons opèrent dans l'église, et il y a certains qui sont là pour corriger. Et il y a des gens qui traitent des gens de n'importe comment. Vous pouvez les traiter de tous les noms que vous voulez. Siméon était traité du n'importe comment. Siméon a balobé la qui est nyonso bagogai koloba peko sala. Le prophète dit cela lui est égal. Mosa koli alobi ete yango etali kutu yete. Il sait où il se tient dans les royaumes de Dieu. Aye, pas yoye pe telemi kati na bokonzi na zambe. Est-ce que nous sommes ensemble? Tozali elongo na tongo. Ce matin, na tongo yo. Qu'il se moque de toi ou pas? Kayo bacho na yotote. Je te donne la promesse de Dieu. Tozali ko peso ila kana zambe. Qui te dit ce matin? Si kaita isako yo. Tu ne mourras pas. Te kokufate. Mais tu vivras. Même si tu n'as pas de loyer. Tu ne mourras pas. Mais tu vivras. Oh my. Oh, comment. Écoutez ce que dit le prophète. Écoutez ce que dit le prophète. Parfois on se pose des questions. Laissez-moi vous dire une petite histoire. Quand on était encore, on avait encore à peu près 5 ou 6 ans. On entendait toujours parler de Josué Kalenda Wangoy. Je l'ai dit pas parce que je suis à la chair devant vous ce matin. Mais c'est un témoignage que j'ai toujours donné de n'importe quand. On entendait toujours parler de pasteur Josué. Et on s'est posé des questions. Comment Dieu opère seulement avec lui? Écoutez mes frères et sœurs. Quand Dieu envoie son don, les prophètes disent, il détermine même son style de faire des choses. Dieu ne peut pas donner les mêmes dollars à des personnes. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu ne peut pas donner les mêmes dollars à des personnes. Maintenant écoutez, on entendait toujours les gens avec des témoignages. Quand j'étais à Louputa, Dieu a fait ceci. Mais c'est là qui critiquait là. On voyait rien de témoignage. Non, ce matin, moi je suis un Dieu qui n'a pas de témoignage. Je suis un Dieu qui n'a pas de témoignage. Moi j'aime un Dieu de témoignage. J'aime un Dieu de témoignage. Écoutez, vous allez vous poser tant de questions. Mais laissez-moi d'abord dire les prophètes. Il dit, eh bien pour les gens du dehors qui n'ont jamais été dans une de mes réunions auparavant, les prophètes disent, Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Des fois quand nous disons aux gens que Jésus est vivant, ils pensent comme si c'était l'histoire. Les gens voient comme si on est en train de faire des théâtres. Les prophètes disent, une fois de plus, Mbalamosusu, ne laissez pas ceci quitter votre esprit. Koti kate eloko yo eki malamoli monayo. Rappelez-vous, Kanisa, Jésus-Christ est ressuscité des morts. Yesu ase kwa na baweyi. Écoutez, Landa. Certaines personnes agissent comme si c'était une histoire. Certaines personnes agissent comme si c'était une histoire. Maintenant écoutez. Landa. Branham dit, c'est une réalité vivante. C'est une réalité vivante. Des miracles et des prodiges, des choses glorieuses qui n'ont jamais été connues sur terre. Depuis les temps des apôtres, montez un peu. Matissa,
depuis les temps des apôtres, s'est produit jusqu'à maintenant. Depuis les temps des apôtres, se produisent où? Les prophètes vous posent la question. Les miracles des prodiges là. Depuis les temps des apôtres, se produisent où maintenant? Répondez. Boyanola. Ici. Awa. Ici. Awa. Les prophètes disent. Montez quand même sur ça. Oh my. Se produisent jusqu'ici. Et ça makino awa. Maintenant. Sikawa. Bwana me dit. Bwana malobi. Réveillez votre conscience. La musa bomoto na yo yakati. Lisons ensemble. Réveillez votre âme. La musa molema na yo. Il est ici. Yé azali awa. Ce ne sont pas des histoires. Il est ici. Azali awa. Est-ce qu'on peut avancer? Tokoki ko kende. Allemagne. Allemagne. C'est ton temps. Gongala yo yango. Remplacer X par sa valeur. Qui ça ça? Ngoluna ko kamisa. Grâce étonnante tabernacle. Ngoluna ko kamisa mongombo. C'est ton temps. Ezali ngonga to tango na yo. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est mon temps. Loba na wo ezali mo pansi na wete ezali ngongala ngai. Lisons ensemble. To tango ilongo. C'est l'air où tu y es visité. Ezali ngonga oyo obondi sami. C'est l'heure où tu y es visité. Ezali ngonga oyo bayeko bondi sayo. Écoutez. Yoka. Allez à l'église. Kende katine ecclesia. Aimez Dieu. Linga nzambe. Priez. Bondela. Cessez de pécher. Botika kosala masumu. Donnez-lui votre amour. Pesa ye bolingo na yo. Toute votre loyauté. Landa ekangama na ye. Donnez-la lui. Pesa ye yango. Bwana me dit. Bwana malobi. Nous pouvons répéter ensemble. Tukoyi kobandela biso nyonso. C'est votre heure. Ezali ngonga na yo. J'ai pensé entendre un grand amen. C'est votre heure. Croyez cela. Les prophètes ne vous supplient pas de quoi, mais ils disent croyez cela. Awa, bazako bondela yo te masengio na makasi ndima yango. Il n'a pas posé la question disant croyez-vous, mais il a dit croyez cela. Koki kondima lobi ndima yango. Le Dieu que je vous parle ce matin n'est pas un Dieu de l'histoire. N'est pas un Dieu de l'histoire. Oh, Dieu notre Père. Écoutez. Landa. Je suis dans la prédication à Siméon. Le paragraphe 57. Molongo ya tukumitano na sambo. Le prophète dit. Mosakoli azali koloba. Êtes-vous prêt? Vous allez peiner? Êtes-vous prêt? Vous allez peiner? Nous venons de lire les prophètes disant que c'est notre temps. Touti kotanga mosakolo lobiete oyo ezali ngonga na biso. C'est l'heure où Dieu nous a visité. Ezali tango tongonga uzamba iko bondi sabiso. Oh, je suis suséré ce matin. Oh, nazali nesengo mingi na tongona lelo. De savoir que les mêmes Saint-Esprit qui a donné la promesse à Siméon. Êtes-vous prêt? Vous allez peiner. Êtes-vous prêt? Vous allez peiner. Qui a donné la promesse à Siméon? Vous donne la promesse de guérison. Vous donne la promesse de guérison. Et qu'il vous a amené ce soir à la fontaine, na liziba, toute cette salle, et souku nyoso oyo, toute cette salle, souku mobimba oyo, est une fontaine, et zali liziba. Les prophètes disent, où le Saint-Esprit est en train de descendre, et zali katina kokita, sur chaque individu, nikolo na moto nyoso. Que le Saint-Esprit descende, c'est quand était molimo santo e kita, sur chaque individu ce matin, nikolo na moto nyoso na tongo na lelo. Il dit, alobi boy. À l'instant même ici. Sika sika wakuto awa. Pas demain. L'obité. Pas le soir. Napo kwate. À l'instant même ici. Sika sika wa. Écoutez. Yoka.
à l'instant même ici, qui a un cœur ouvert, et il peut guérir tout le monde à l'instant même, à l'exception des personnes. Il peut guérir tout le monde maintenant même. Si seulement on croit. Si seulement on croit. Il peut nous guérir tous au même moment. Écoutez, j'avance avec les prophètes. C'est tout ce que Dieu vous demande de faire. Voilà, me dit que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Je me sens très heureux ce matin. Pendant que je suis en train de terminer, je suis dans la prédication, le Christ identifié dans tous les âges. Prêché le 17 juin 1964. Paragraphe 206. Maintenant, lisons tous ensemble. Maintenant, Sikawa, Satan, Satana, tu ne peux pas retenir ces malades plus longtemps. Yo, kokiko kangali susu bato bazako bela na bokono na bango mikolobele to. J'ai passé en temps un grand amen. Tu ne peux plus retenir les malades, ces malades plus longtemps. Kokiko umi salisusu babeli yo kati na bokono tango malaite. Ils sont soumis à la parole de Dieu. Bango yo pena bakangami na liloba na Nzambe. Sorte bima kati na bango. Maladie qui est dans leur corps. Yo bokono ozali kati na nzoto na bango. Toi le diable sort de. Yo satana bimisa kati na bango. Ne les tourmente plus. Konyokolo bango lisusu te. Il t'a toujours tourmenté. Mais ce matin, qu'il ne te tourmente plus. Écoutez. Lâche-les dès ce soir. Tika bango ko bandaka kana tongo yo. Lâche-les dès maintenant. Tika bango uta na tongo oyo. Qu'il ne vous retienne plus. Yo akanga yo lisusu te. Écoutez. Yoka. Nous, biso, en tant que serviteurs du Dieu, lokola basali na Nzambe. En tant que serviteurs du Dieu, lokola basali na Nzambe. Qui a été identifié pour confirmer la parole? Oyo bako kanisa makina impo na kondimi saliloba. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? Tokosani na tongo yo. Nous t'adjurons au nom du Dieu vivant. Biso pena toko lapisa yo na tongo na komo na Nzambe na bomoi. Jésus-Christ la parole faite chair. Yesu Christo liloba oyo esa ezlata nzoto. Parmi nous. Na kati na biso. Sors des malades et laisse-les aller. Pour la gloire du royaume de Dieu. Bima na kati na bato bazali kobela. Tika bango bakende. Mpona kembo na Nzambe. Pas pour la gloire d'un homme. Ezali pona kembo pe lokumu ya moto te. Pour la gloire du royaume de Dieu. Kasi pona kembo ya bokonzi na Nzambe. Qu'il vous laisse ce matin. Tika bino na tongo oyo. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Christo. Écoutez. Nanda. Et à cause du commandement qui nous a été donné. Donné par un homme. Donné par un homme. Donné par une sorcière. Donné par un magicien. Donné par Jésus-Christ. Le Fils de Dieu. Sors de ces gens. Les prophètes disent amen. Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Amen. Qu'il sort de vous ce matin. Maintenant écoutez. Nous croyons que Dieu nous a délivrés. Nous croyons maintenant qu'il nous a déjà guéris. Moi je n'ai pas encore une prière à faire pour vous. Je crois que le Dieu de notre pasteur vient de faire quelque chose. Maintenant, lisons ceci pour terminer.
Je suis dans la prédication, l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Nazali katinalité ya kozanga kokakema ya liloba na sabe. Prêché le 4 avril 1956. Etema mokolo mine sanza na mine mobutu kumitano na motoba. Paragraphe 34 partie B. Molongo tukumisato na mine eteni na mibale. J'aimerais qu'on lise ensemble pour terminer. La ko sepela totanga bisonyo selongo pour la kosilisa. Non, montez, rentrez un peu s'il vous plaît. Zongisa mukesima. S'il vous plaît. Vous avez dit, de quoi nous inquiéterons-nous donc? Azakoloba. Eloko tokomi tungisa lisusu mpona eloko nini? Les prophètes vous posent la question ce matin. Mosakoli atuni. De quoi nous inquiéterons-nous donc? Tokomi tungisa lisusu mpona eloko nini? C'est toujours dans la même prédication là. Lité moko moko wana kaka. C'est quel paragraphe? Le paragraphe 34 partie B. Ezali 34 kasi eteni ami balé. Pendant que nous terminons, j'aimerais lire ensemble avec l'auditoire. De quoi nous inquiéterons-nous donc? Pourquoi sommes-nous dans tous nos états? On a trouvé. Pourquoi nous inquiétons-nous donc? Pourquoi sommes-nous dans tous nos états? Ce matin, enlevez la main à la joue. Pourquoi nous inquiétons-nous donc? De quoi nous inquiétons-nous donc? Pourquoi sommes-nous dans tous nos états? Pourquoi marchons-nous les visages tout défaits? C'est une question qui vous est posée ce matin. Oh my. Pourquoi marchons-nous les visages tout défaits? Maintenant écoutez. Lèvons les yeux. Et sourions. Est-ce que tu peux sourire là où tu es? Lèvons les yeux et sourions. Alléluia. Ne sourions pas seulement. Mais rions. Mais rions. Ne rions pas seulement. Mais ne rions pas seulement. Mais lèvons des mains de saintes mains. Des saintes mains partout dans la salle. En rendant louange et gloire à Dieu. Écoutez. Yoka. Car ses promesses sont oui. Poete, milakanaye, ezali iyo. Et quoi? Penini sus. Amen. Pesa la bongo. Son oui et amen. Ezali iyo pe eza la bongo. Les prophètes disent. Non pas oui et non. Ezali te lelo ezaya solo lobi tobi yangote. Non pas oui et non. Ezali te lelo iyo lobi tobo yangote. Alobi. Mais oui. Kasi ezali mobele iyo. Il dit il n'y a pas de nom là dedans. Alobi te nakati na bilaka na zambe. Eloko ya kolokola ezate. Kuna bandi makabo bele nyoso. Que le Seigneur vous bénisse. Sika ite nkola pambo la bino. Gloire au Seigneur. Lokume zongela nkolo.
Amen, 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 amen. Je pense que nous ne pouvons pas seulement sourire ni rire. Nous levons même le main. Et nous acceptons à nous que tout est possible à celui qui peut. Ah, le prophète Branham est prophète. Ah, Moussakoli Branham Azali a solo Moussakoli. Que Dieu bénisse le jeune William Branham. Ticket en Zambé à Pambola et l'engue motei William Branham. Que Dieu bénisse notre jeune de 22 ans. Zambé à Pambola. Elenge mobali oyo ya mibu tuku mibale na mibale. Gloire à Jésus. Lokumu ezongela Yesu. Jérélie. Nazali kokangisa. Mettez-vous debout. Botelema. Mettez-vous debout, mes amis. Je voulais relier ce qu'il a dit. Botelema baning. Par le Saint-Esprit. Nalingi na kangisa oyo mote ya lobela biso. Conduit Siméon. Elongo na molimo santu oyo ekambaki Siméona. Avec Jean 15. Et longo na Yohan ozomi na mitanu. Et nous allons prier. Peto ko sambela. Pour notre sœur. Ona ndeko na biso moi si. Nous tous. Biso banso. Moi ce que je n'aime pas. Ngai oyo na linga kasoko mokete. C'est de fuir une écriture. Ezali ya ko kima likomi. Ne fuyons pas une écriture. Biso to kima soko mokete likomi. Si nous prions et que ça ne colle pas, revenons en arrière et revoyons les choses. Le Dieu qui avait dit à notre prophète, si tu amènes les gens à te croire, si tu continues à être simple, si tu amènes les gens à te croire, et si tu es sincère, et que tu n'as pas quelque chose à l'intérieur qui te condamne. Des fois, il dit que tu n'as pas l'amertume. Tu n'as pas les mauvais sentiments contre le voisin. Tu es sincère, c'est-à-dire tu n'as pas de reproche en toi. Donc rien ne résistera à toi, même le cancer. Mes frères et sœurs, si nous voyons une résistance dans une maladie, reculons. Qu'on arrête pas, posons-nous des questions. Ne craignons pas l'écriture, lisons. Nous sommes en Jean chapitre 15. Et nous sommes au verset 7. Si vous demeurez à moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Mes frères et sœurs, est-ce que cette écriture dit demander ce que Dieu veut? Si vous demeurez dans la parole et la parole demeure en vous, vous ne demanderez pas ce qui n'est pas la parole. Parce que vous êtes la parole. Ce que vous voulez là, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Est-ce que la volonté de Dieu est pour que l'un de nous soit malade sans guérison? Mais comment nous pouvons avoir une sœur que le diable a entouré autour de sa hanche avec les cancers? Si Dieu demeure en nous et si nous demeurons dans sa parole et que nous prions, Dieu n'exauce pas, nous devons nous poser des questions et Dieu nous dise pourquoi il n'y a pas de suite. Nzambe alobana biso pona nini
N'évitons pas les Écritures. C'est pour nous. Amen. Amen. Et ne restons pas en silence si nous ne voyons pas la réponse. Moi, le Dieu de l'histoire seulement, qui n'est pas dans le présent, ce n'est pas celui que je crois. Celui que je crois est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors comment? Frères et sœurs, moi je préfère ceci. Je suis pasteur. Si nous prions sur un cas, et que Dieu n'exauce pas, j'aime que les croyants me posent des questions, mais ces cas-là, pourquoi il n'y a pas de suite? Ne restons pas en silence. Dieu, Zambé, il est comme un papa. Azali loko la tata na bana na ye. Et appelons-le même ce matin, essayons de l'appeler comme papa. Tongo ya lelo to benga ye papa tata na biso. Si Dieu est notre père. So ki nzambe azali tata na biso. Dieu donne à celui qui insiste et qui lui dérange. Nzambe apesa kana oyo asenga ka mingi mingo ya tungisaka ye. Vous pouvez avoir le même cas. Ah. Bon, mais celui qui va lui faire trop de bruit. C'est à celui-là que Dieu va exaucer. Si dans en vous, vous n'avez que quelqu'un meurt aujourd'hui, la volonté de Dieu. Non, Dieu n'a pas seulement sa volonté, Dieu exauce aussi la volonté de l'épouse. Ah, soit qui meurt quand tu n'as pas sa coupe, tu l'obéis. Zamba lingia coupe. Te, zamba yanolagape. Makanisito bosenga moi si libala na ye. Dieu a exaucé Moïse. Zamba pesa bianona Mose. Qui lui a conseillé. A pesa ye toliete. Dieu a accepté les conseils de Moïse. Ben zamba andima. Nous pouvons aussi lui conseiller aujourd'hui. Biso peto. Si tu restes en silence dans nos prières, qu'est-ce que les gens diront? Et comment insisterons-nous sur il est le même hier? Frère, moi je ne supporte pas les échecs. Et je ne me réjouis pas de manger chez quelqu'un. S'il a un problème, je prie, Dieu n'exauce pas. Je parle, je mange, je dis mon fils ceci, cela. Non. Na si tu ne m'exauces pas, je ne serai pas content d'aller manger chez les croyants. Voilà. Je prie, Dieu n'exauce pas. Qu'est-ce qui prouve que je suis serviteur? Le prophète répond. Il dit, comment saurons-nous que c'est un serviteur de Dieu? Nous saurons que cet homme est serviteur de Dieu. Quand nous verrons Dieu le confirmer. Nous ne sommes pas là pour vous intimider. Je suis serviteur de Dieu. Vous devrez, je suis, non. Que Dieu nous prouve que tu es serviteur de Dieu. C'est Dieu qui nous confirme. Ce n'est pas nous qui vous disons de nous craindre. Non. C'est Dieu qui nous pointe qu'il est mon serviteur. En exaucant nos prières. Nous allons prier pour la sœur qui est à l'hôpital. Ça ne va pas. Ça ne va pas, mes frères. Si Dieu est avec nous, donc Gédéon était très sincère. Ah, Gédéon a zala ki moté ma sembo. Il est fouillard. Ah, zala ki mo kimi kimité. Il est en train, non, il était fouillard. Zala ki mo kimi kimi. Il était en train de se préparer, il battait le blé pour fuir. Yeah, banda ko buka masangu pote akima. Et permettez-moi de dire ça. Bon, pesanga ningisa na loba oyo. Dieu vient lui dire que
Il y a un homme. Oh, l'Éternel est avec toi. Elombe. Il a refusé. Si le Dieu d'Israël est avec quelqu'un, so, il ne moto. Peut pas échouer. Moto wana koki koka nous nous échouons. Biso nous fuyons. Et toi, tu viens me dire que l'Éternel est avec toi. Mais Gédéon n'a pas craint l'ange. Il n'a pas eu peur. Gédéon a banga qui mange genouté. Nous avons besoin de Gédéon. Les gens qui peuvent répondre à Dieu en face. Si tu es avec nous, où sont tes miracles? Est-ce que vous êtes avec moi? Lève-vous nos mains. Et que ce Dieu-là nous parle. Quand vous arrivez à l'hôpital, la sœur, la croix, elle commence même à t'exhorter. Dieu fera toujours quelque chose. Mais dans cet état, frères et sœurs, comment nous allons dormir dans nos maisons? En paix, pendant que l'une de nous croit jusque-là sans suite. Même l'Amérique. Des fois, elle appelle d'autres puissances pour l'accompagner. C'est mieux que nous soutenons la sœur dans sa foi que Dieu fasse quelque chose. Que Dieu qu'on nous a présenté par le frère William Branham ce matin, le serviteur de Dieu, qu'il nous exauce. Quel est cet homme Jésus, frère Pasteur Antonin? Quel est cet homme Jésus? Et nous allons lever les mains. Nous allons parler au Seigneur comme ses enfants. Deux personnes font deux puissances. Trois personnes font trois puissances. Quatre puissances. Si on peut avoir 20 croyants ici, nous faisons 20 puissances. On assemble cette puissance-là et qu'on l'envoie à l'hôpital. Qu'il y ait des réactions. Oh, quel est cet homme que Jésus veut. Jésus, alléluia.
Oh,
chinichi wa pa.